Salut les amis! Allez, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter nos sacs pour le tour du Mont Blanc que nous allons réaliser la semaine prochaine. Voilà, on va voir tout ça en détail. Allez, on va commencer par mon sac. Alors c'est un Talon 44 de chez Osprey. Voilà, tout compris, on a réussi, moi et ma femme, à avoir 11 kilos chacun. Donc on est en semi-autonomie, mi-refuge, mi-bivouac. Donc, en premier, les petites claquettes pour le soir et le midi. Toujours à portée de main. La petite planche pour couper le saucisson le midi est pratique. Le petit matelas, bien sûr. Alors, dedans, avec la conjoncture actuelle, les masques, obligatoires. Petite paire de gants pour la neige. Paire de lunettes. Le tour de cou. Pratique pour la nuit et en journée s'il fait froid. Et la petite lampe. On ne sait jamais si on va partir tôt le matin. Et pour le soir, brosse à dents. Et voilà pour la poche du haut. Après, dedans, accessible très rapidement au cas où. Petite veste. Fruits secs. Voilà, les vitamines. Ça, c'est tout ce qui est matériel électrique. Donc le drone, chargeur solaire et batterie pour la GoPro avec laquelle je suis en train de filmer. Et tous les petits câbles pour recharger bien sûr le téléphone. Le pancho, bien évidemment. Hop, nos affaires de rechange. Dans un sac hermétique, c'est jamais avec la pluie, il prévoit un peu de pluie donc on verra bien. Pyjama, t-shirt, caleçon, chaussettes de rechange, tout est là-dedans. Le duvet, 0 degré confort, ça devrait suffire. En plus, on a double matelas donc on est bien isolé du sol. Et la tente de place, porclaz. Pour l'eau, hop, on a le camelback. Camelback de 3 litres. Il y a assez d'eau, on pourra ravitailler facilement sur le tour du Mont Blanc. On a regardé, il y a de l'eau partout. Les bâtons, il nous manque piolet et crampons qu'on va recevoir d'ici demain. Et tout est bon pour mon sac. Alors pour le sac de ma femme, bon pareil, petite veste. Repas lyophilisé, donc on a réparti les poids bien sûr. Hop. On a mis les dates dessus, au moins on sait quel jour lesquels utiliser. Les affaires de rechange, sac isotherme aussi. Petit biscuit pour le matin, le petit déj. On va repartir en pleine forme.
bouteille de gaz avec la popote. Petite serviette. Petite trousse à tout faire avec briquet, pince à linge, pile, couteau, labello, chewing-gum, un peu de tout. Le pancho, bien évidemment. Alors, les deux matelas gonflables. Et pour finir, le duvet. Ouh ! Température de confort, moins 11. Pour l'eau, nous filtrons notre propre eau, le filtre MSR, petite pompe. Les bâtons aussi. Et Camelback aussi pareil. Voilà. Et dans les poches du haut, j'ai oublié, bien sûr, la carte hygiène du Tour du Mont Blanc et aussi, nous avons préparé un petit cahier avec tous les itinéraires, tous les jours, ce qu'on doit faire, les dénivelés, les refuges, toutes nos réservations, voilà, pratique aussi. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À l'heure où on vous parle, on sera sûrement en train de faire le tour du Mont Blanc. On vous fera bien évidemment une vidéo, sûrement plusieurs épisodes. Il y a beaucoup de neige actuellement, donc on est en train de se renseigner. On va voir un peu, il y a des variantes sûrement qu'on ne pourra pas faire. Voilà. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, les amis. Nous allons publier notre aventure tous les jours, si on capte bien sûr. Voilà, le petit pouce vers le haut bien sûr. Abonnez-vous, à plus tard les amis.